Bonjour à tous, bienvenue à la suite de cette journée porte ouverte virtuelle de l'Institut Charles Péguy. Ce matin, nous organisions une première session d'information générale sur l'Institut, placée cet après-midi aux différents programmes de formation, et nous poursuivons dès maintenant avec la spécialisation en hôtel management. Pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin, je vous présente Géraldine, qui est en charge des programmes des cours au sein de l'Institut et qui m'accompagnera durant cette session. Cette session a pour but de présenter le programme de la section en hôtel management à l'issue de laquelle vous pourrez poser toutes vos questions via la zone prévue à cet effet. Avant de commencer, Géraldine, pourriez-vous nous rappeler brièvement à quoi correspond le secteur de l'hôtellerie et ses métiers, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait, Diane. Alors, le secteur de l'hôtellerie fait partie du secteur des métiers de l'hospitalité, au même titre que les métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Alors, ce secteur se définit principalement par les structures d'hébergement qu'il propose. Ces structures d'hébergement, ou structures hôtelières, sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus diversifiées. Cela va de la grande chaîne internationale aux plus petits hôtels, aux hôtels indépendants, mais aussi aux hôtels business, hein, pour les préoccupations des hommes d'affaires, qui logent dans des hôtels d'aéroport ou dans des appart-hôtels pour des missions de plus longue durée. Cela va aussi de la structure de loisirs, un camping, mais aussi un club animé. Et sans oublier, bien sûr, toutes les structures plus familiales, type gîte, auberge de jeunesse, chambre d'hôte et bien sûr tous les logements insolites. Alors, peu importe la taille ou les infrastructures que ces différents hébergements proposent, ils ont tous à cœur de satisfaire leur clientèle. Le service et non la servitude, la qualité et non le luxe sont vraiment au centre des préoccupations de toutes les femmes et de tous les hommes qui occupent les postes à responsabilité de ces structures hôtelières. Au sein d'un hôtel, c'est une vraie fourmilière. En coulisses, de nombreuses personnes travaillent pour offrir satisfaction à leurs clients. Sous un même toit, donc, il y a beaucoup de métiers différents. Des cuisines, au bar, à la réception, à la réservation, en passant par la maintenance, mais également par l'entretien, sans oublier tous les départements qu'on ne voit pas nécessairement, c'est-à-dire le département des finances, des ressources humaines, la commercialisation aussi et l'animation. Chaque département travaille indépendamment, mais également main dans la main. Cela offre évidemment de nombreuses possibilités d'emploi partout dans le monde entier. Et pour illustrer mes propos, je vous propose tout de suite de visionner quelques images concernant les métiers de l'hôtellerie. Merci Géraldine pour ce court rappel du secteur de l'hôtellerie et pour cette petite vidéo qui illustre en images les différents métiers liés à l'hôtellerie. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Géraldine, quels sont les cours au programme de l'année, la deuxième année en hôtel management, s'il te plaît ? Alors, petit rappel également, donc en première année, les cours sont communs et la troisième année se passe plutôt en entreprise. Donc effectivement, cet après-midi, je vous propose de s'attarder sur le programme de cours de chaque axe pédagogique et de chaque cours du programme de deuxième année en hôtellerie. Avec plaisir, Géraldine. D'ailleurs, pourriez-vous rappeler les différents axes pédagogiques de la première année ?
Oui, Diane. Alors, les axes pédagogiques de la première année sont les suivants. Les bases théoriques du management qui seront appliquées au secteur hôtelier dans cette deuxième année. Les bases culturelles élémentaires que nous remettons à niveau en première et qui serviront aux interactions entre les clients, mais aussi entre les collaborateurs dans le secteur hôtelier. Et puis, l'introduction au métier de l'hospitalité que représente le tourisme, l'événementiel et l'hôtellerie qui travaillent main dans la main au quotidien en véritable synergie. Et enfin, l'apprentissage des langues, à savoir l'anglais et le néerlandais. Donc ça, c'est vraiment un petit rappel de la première année. Et donc, Géraldine, cette base commune de première année servira à la deuxième année, peu importe la spécialisation choisie. Effectivement, Diane. Donc, le management, comme je l'ai dit, sera vu de manière appliquée en deuxième année au secteur hôtelier. Et donc, il fait suite, en fait, tout simplement, aux cours généraux de première année. Les métiers de l'hospitalité, comme je l'ai dit, sont nécessaires dans l'élaboration des relations humaines que tous nos étudiants vont construire dans leur future profession. Et puis, la culture, évidemment, est nécessaire également, puisqu'elle va vraiment servir de valeur ajoutée à tous les projets et tous les travaux pratiques que nous allons leur proposer durant cette deuxième année. Et donc, pouvez-vous maintenant nous en dire plus sur les cours de deuxième année en hôtel management ? Oui, alors, les cours de la deuxième année en hôtellerie s'articulent autour de cinq axes pédagogiques principaux, les départements hôteliers, les techniques pratiques liées au secteur hôtelier, la communication au service de l'hospitalité, la culture générale des métiers de bouche et enfin le perfectionnement des langues étrangères. Merci Géraldine, et pour mieux comprendre de quoi il s'agit, je vous propose maintenant de nous détailler vraiment chaque axe pédagogique. Alors, Diane, si je reprends le premier axe pédagogique, celui des départements que compose un hôtel, je dois vous dire qu'il y a vraiment trois départements principaux, trois piliers, à savoir le F&B, donc tout ce qui touche à la restauration, le front office, qui touche à la réception, et le housekeeping, tout ce qui touche à l'hébergement. Donc, je vous propose tout de suite de passer en revue les cours, et je vais donc commencer par un des gros cours de ce cursus en hôtellerie, puisqu'il s'étale sur les deux quadrimestres. Le cours de Food and Beverage, donc tout ce qui touche à la restauration, comme je viens de le dire. Alors, c'est un département très important, effectivement, puisque cela concerne les bars, les restaurants, mais également le room service. Alors, ce cours détaillera les fonctions et les principes de gestion, notamment des stocks, transformation des marchandises, bien sûr, tout ce qui touche également à la réglementation en matière d'hygiène et, évidemment, toute la gestion du personnel. Le cours de front office management, lui, s'attardera aux techniques d'accueil, hein, puisque on est là dans un département central qui est le point de départ d'un client à son arrivée, mais aussi à son départ. Ça va vraiment être le service, le département privilégié durant tout son séjour. Donc c'est un cours qui va, je dirais, proposer à nos étudiants de se mettre en situation à travers des jeux de rôle, notamment, pour acquérir des techniques d'accueil plus spécifiques. Ensuite, le cours de housekeeping, alors là, il touche évidemment à tout ce qui traite de l'hébergement en tant que tel, c'est-à-dire de l'entretien, du nettoyage, de la maintenance des chambres, mais également des lieux publics dans un hôtel. Alors, ce cours détaille aussi les rôles et les responsabilités de chaque membre des équipes, détaille bien sûr les procédures d'hygiène et l'organisation pratique du département. Ensuite, le cours de ressources humaines. Alors, nous avons parlé des trois principaux départements que l'on voit au quotidien dans un hôtel, mais il y a à l'arrière aussi, en back-office, je dirais, des départements qui sont un petit peu plus dans l'ombre, mais qui sont tout aussi importants, dont celui des ressources humaines. Un hôtel vit 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il y a beaucoup d'employés au sein d'un hôtel et beaucoup de statuts différents. Il y a des contrats de nuit, des contrats de jour, il y a des contrats d'ouvriers, d'employés. Le recrutement et la formation sont constamment nécessaires dans le développement d'une structure hôtelière. Donc c'est une matière complexe mais essentielle dans la bonne gestion d'un établissement hôtelier. Et puis le département du sales and marketing, bien sûr, touche à la commercialisation et va aborder toutes les techniques de vente et de promotion d'une structure hôtelière. À l'heure où les plateformes de réservation en ligne sont omniprésentes, il est très important
important pour les hôteliers aujourd'hui d'être actifs sur ces canaux de distribution, même si tous les autres restent évidemment d'actualité également. Donc, de la gestion des contrats aux offres promotionnelles, à la visibilité de son hôtel et ainsi qu'à la réservation des room nights, des chambres. C'est un cours qui va vraiment englober tout ce qui touche au marketing mais également à la vente des produits hôteliers. Et enfin, le cours de risk management. Comme vous le savez aujourd'hui, la prévention et la sécurité sont une préoccupation primordiale dans tous les secteurs. Alors ce cours évidemment va détailler les aspects techniques et la mise en place des procédures pour protéger à la fois le personnel mais évidemment également les clients. Donc le personnel doit pouvoir intervenir en fait en cas de problème et intervenir selon des procédures bien strictes. Donc voilà, c'est un cours un petit peu plus technique également, mais je vous rassure, chers étudiants, chers futurs étudiants, ce sont des matières qui sont abordées par des professionnels du secteur, hein, puisqu'ils sont tous issus du milieu hôtelier, et donc ils savent exactement où ils vous emmènent dans leur cours, et vont droit au but pour pouvoir vous amener à la pratique le plus rapidement possible. Et je vous propose, justement, pour clôturer cet axe pédagogique, de passer la parole à Ébru Candan, directrice de l'hébergement au Martins Agora City Resort de Louvain-la-Neuve, qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus sur les départements d'un hôtel. Bonjour Ébru. Bonjour Géraldine, bonjour Diane. Bonjour Ébru, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette journée porte ouverte. Dites-moi Ébru, une première question, en quoi consiste votre métier et votre quotidien au Martins Agora City Resort, s'il vous plaît? Alors, en tant que directrice d'hébergement, donc Rooms Division Manager, je vais dire, en charge au quotidien de chapeauter, de suivre, coordonner deux départements qui sont étroitement liés dans les piliers, le housekeeping et le front office. Donc pour tout ce qui est front office, c'est la coordination, gestion des équipes de réceptionnistes de jour et de nuit, de tous les éléments d'accueil client, de suivi des demandes et autres pour le client pendant son séjour et jusqu'au moment du départ, au moment du check-out, qui clôture le séjour et qui reste un moment privilégié d'échange avec le client et une garantie de qualité jusqu'au bout, je dirais. Le deuxième élément qui complète donc le front office, le housekeeping, lui, c'est vraiment le suivi donc du nettoyage et entretien des chambres, des lieux publics dans un établissement hôtelier, donc au Martins Agora City Resort, avec l'équipe des femmes de chambre, des valets, des équipiers, de jour et de nuit, mais en complément aussi, le suivi de nettoyage et autres du restaurant, du spa, nos salles de séminaire. Donc, tous ces éléments-là sont sous la supervision du Rooms Division Manager et au quotidien complémentaire en permanence. Merci beaucoup, Ébru, pour ces précisions. Puis-je maintenant vous demander quels sont les points forts de ce cours de housekeeping et surtout, comment est-il perçu par les étudiants? Alors, je vais commencer en disant que comment est-il perçu? Bonne question. C'est un département qui, malheureusement, est très souvent dénigré. On s'imagine très, très, très souvent, et à tort, que le housekeeping se limite aux femmes des chambres et au nettoyage des chambres, et rien d'autre, et un travail ingrat. Eh bien, non. Le département du housekeeping représente vraiment une vraie fourmilière au sein de l'hôtel, toute une armada qui s'occupe vraiment du nettoyage des chambres, de l'entretien, mais également des lieux publics. Alors, c'est une gestion d'équipe au quotidien. Nous avons dans les équipes la gouvernante générale, une assistante, très souvent des gouvernantes d'étage qui contrôlent les chambres après nettoyage pour s'assurer que tous les éléments sont bien propres et prêts à accueillir le client et que tous les éléments qui constituent une chambre fonctionnent également. Et c'est un point qui est rattaché au département du service technique. Et à cela, donc, on peut rajouter tous les éléments de décoration florale, de décoration en particulier, par exemple, dans une chambre, les normes d'hygiène, l'utilisation des produits et autres. Et très vite, donc, les étudiants se rendent compte que finalement, c'est un département bien complet et en permanence partout dans un établissement hôtelier.
Merci beaucoup, Ebru. Nous allons devoir malheureusement passer l'antenne à quelqu'un d'autre, mais je vous remercie vivement pour votre intervention et à très bientôt. Au revoir, Ebru. À très bientôt. Merci, au revoir. Géraldine, je vous propose maintenant de passer au deuxième axe pédagogique de la spécialisation en hôtel management, c'est-à-dire les techniques pratiques liées au secteur de l'hôtellerie. Ces techniques font-elles appel aux techniques de management vues en première année ? Oui, effectivement, Diana. Donc, si on fait suite au cours, si je prends par exemple le cours de gestion et économie, il fait effectivement suite au cours d'économie générale donné en première année. Mais il sera plutôt axé sur l'entrepreneuriat et le chargé de cours proposera d'ailleurs à tous les étudiants de créer leur propre structure hôtelière. Un cours comme celui d'analyse financière apprendra aux étudiants à décortiquer un bilan et tirer une analyse suite aux chiffres qu'ils rencontreront sur le terrain. Alors, ça permettra en fait à nos étudiants d'éventuellement proposer des actions budgétaires en fonction des résultats annuels. Donc, les notions de comptabilité, à ce moment-là, vues en première année, sont également une base solide pour appréhender ce cours. Et si l'hospitalité, si les métiers, en tout cas de l'hôtellerie, font partie de l'hospitalité, il n'en est pas moins que les enjeux financiers sont capitaux et représentent quand même une grosse partie du milieu des professions hôtelières. Le cours de logiciel Opéra, quant à lui, est un cours pratique donné en salle informatique. Il s'agit là de manipuler un outil informatique propre au secteur qui est utilisé en fait un petit peu partout dans le monde entier. De la comptabilité à la réservation, les étudiants vont vraiment pouvoir tester et pratiquer un petit peu ce logiciel de sorte à vraiment être aptes à pouvoir l'utiliser lorsqu'ils rentreront en stage. Ensuite, le revenu management, lui, s'intéressera à la rentabilité d'une structure hôtelière à travers la tarification d'une chambre d'hôtel, c'est-à-dire comment calculer le prix de revient d'une chambre en fonction de la charge globale financière d'un hébergement. Donc, pour en parler, je vous propose tout de suite de passer la parole à Ahmed Benmouaz, donc chargé du cours de revenu management, mais également d'analyse financière et consultant en management hôtelier. Bonjour Ahmed. Bonjour Géraldine, bonjour Diane, un plaisir d'être avec vous là aujourd'hui. Bonjour Ahmed, plaisir tout à fait partagé. Dites-moi Ahmed, quelle est l'importance d'un cours comme celui de revenu management dans le cursus proposé en hôtel management à l'Institut ? Alors, pour introduire, on va dire, Géraldine a parlé de ce qu'on appelle les métiers back of the house dans l'hôtellerie, dont fait effectivement le revenu management. Et le revenu management est simplement une technique de valorisation ou de fixation de prix qui a vu le jour lors de la dérégularisation de la tarification aérienne au début des années 80 et que l'hôtellerie a commencé à opérer par après. Et le but, en fait, du revenu management reste aujourd'hui vraiment une technique ou une discipline incontournable dans ces métiers. Sans doute que vous savez que les ventes ou la valeur lors de la vente d'une proposition d'une chambre, les chambres n'ont pas nécessairement la même valeur. C'est-à-dire qu'on ne vend pas la chambre au même prix à n'importe quel profil de client. Et donc, le revenu management va nous permettre d'optimaliser le revenu en sachant quels produits, services, vendre à quel client, à quel tarif et sous quelles conditions. Et donc, en fait, dans un but très simple, optimiser un maximum ce revenu de ce qu'on appelle l'inventaire périssable, dont ils sont, fait partie les chambres, les salles de séminaire, les salles de banquet ou autres espaces de spa ou tout ce qui est vraiment espace mis à la location. Merci beaucoup, Ahmed. Une deuxième question. Pensez-vous qu'il faille vraiment aimer les chiffres pour un jour pouvoir prétendre diriger un établissement hôtelier ? Effectivement, quand on parle de la gestion hôtelière, on a souvent des fois des craintes, on entend revenu management, gestion hôtelière, analyse financière. Je ne crois pas qu'il faudrait être nécessairement amateur pour diriger un hôtel. Il serait par contre primordial de développer plus un esprit d'analyse. Un esprit d'analyse des chiffres, pouvoir apprendre à commenter des statistiques, à commenter des données, des tableaux de tableaux de données chiffrées, mais pas nécessairement être vraiment un technicien mathématique, vraiment un vrai matheux. Le but ici, c'est vraiment de comprendre les résultats chiffrés, en tirer les leçons,
dans un but tout simplement de piloter ces entreprises hôtelières. En partant d'un principe simple, sur que ça reste quand même des grandes entreprises, comme vous l'avez bien indiqué dans, lors de votre introduction, qui génèrent pas mal de flux financiers, voire des flux financiers importants, qu'il faut simplement pouvoir piloter et opérer. Merci beaucoup Ahmed, merci pour ton intervention ce jour et à très bientôt. Avec plaisir Diane et félicitations pour votre événement, je le suis depuis ce matin, c'est une réelle réussite. Merci beaucoup, merci. Au revoir Ahmed. Géraldine, je vous propose maintenant de passer au troisième axe pédagogique proposé dans cette formation, c'est-à-dire la communication au service de l'hospitalité. Qu'entendez-vous par cela ? Alors effectivement, Diane, ce troisième axe pédagogique reprend donc la communication au service de l'hospitalité. C'est quelque chose de très important, de primordial dans ce secteur, puisque les métiers hôteliers sont régis par les interactions humaines, hein, donc que ce soit entre collaborateurs ou avec les clients, bien sûr. Donc c'est vraiment une préoccupation centrale dans les métiers de l'hôtellerie. Une mauvaise communication peut remettre en doute certains process et même certaines stratégies. Donc il est très important de pouvoir communiquer efficacement envers, évidemment, ses équipes, mais aussi de communiquer de manière satisfaisante vers la clientèle nombreuse, variée et, je dirais, d'origine différente également. Donc le premier cours de cet axe pédagogique, la communication digitale, elle, aujourd'hui est incontournable. Hein. Les jeunes qui nous regardent à l'heure actuelle le savent aussi bien que moi. Il n'y a plus un secteur qui peut se passer de la communication digitale. Donc c'est un cours qui va aborder la gestion des communautés sur les réseaux sociaux, mais aussi toutes les techniques de communication sur les plateformes numériques. Un cours de management multiculturel s'intéressera quant à lui au management social dans une entreprise multiculturelle comme un hôtel. Comme je viens de le dire, beaucoup de nationalités se côtoient ou sous un même toit, que ce soit dans la partie du personnel ou de la clientèle. Il est donc important de pouvoir décrypter les différences de messages et de réception de messages de chacun de ses clients, mais aussi de chacun de ses membres de personnel pour adapter sa communication en fonction de son interlocuteur, tout simplement. Alors, dans le même ordre d'idées, le cours de protocole, lui, s'intéressera plutôt aux notions de bienséance, des us et coutumes de la clientèle qu'on accueille. Ça fait un petit peu pompeux comme ça, un cours de protocole, mais on y apprend beaucoup de choses, notamment dans l'art de la table propre au secteur hôtelier. Ensuite, le cours de quality management, s'intéressera au message qu'on va transmettre sur la qualité de son hôtel et tout simplement à la qualité même du service qu'on propose, puisque on le dit depuis tout à l'heure maintenant, la qualité et le service sont vraiment les préoccupations primordiales d'un hôtel. Il est donc important de pouvoir communiquer sur sa qualité à travers des labels notamment, et puis ça rassure le client. Plus il y a de la qualité, plus le client est rassuré et ça conforte ce que nous avons dit ce matin au sujet des métiers de l'hospitalité. Aujourd'hui, un client qui sort de sa zone de confort, qui va ailleurs, qui va dans un autre hôtel pour y loger quelques nuits, se demandera toujours comment il sera reçu. Donc c'est très important de pouvoir le rassurer et le prendre en charge de manière efficace et qualitative surtout. Enfin, un cours de leadership ou de prise de parole en public va quant à lui s'intéresser aux compétences personnelles de chaque étudiant, puisque l'objectif est de donner vraiment les clés à nos futurs professionnels de l'hôtellerie pour devenir de bons managers, afin d'atteindre les objectifs avec ses équipes. Hein. Aujourd'hui, être un bon manager, c'est aussi être un bon communicant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet axe pédagogique. Je vous repasse la parole, Diane. Merci Géraldine de nous détailler si bien chaque cours. Je pense que pour les spectateurs qui nous regardent, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que nous pouvons maintenant passer à l'axe pédagogique suivant, à savoir la culture générale dans les métiers de bouche? Alors pourquoi est-ce qu'on parle de culture générale au sujet de ces métiers? Et surtout, qu'entendons-nous par métier de bouche? Alors,
Cet axe pédagogique est vraiment lié à un de nos cinq sens, hein, en l'occurrence le goût, et s'apparente surtout à des métiers plus opérationnels de la restauration, avec des cuisiniers, des sommeliers, des maîtres d'hôtel, autrement dit des cours que nous ne donnons pas réellement, puisque nous ne sommes pas une école hôtelière, nous sommes une école de management hôtelier. Donc nous ne formons pas de cuisiniers ou de sommeliers à l'Institut Charles Péguy. Cependant, il est vraiment très important pour un futur manager d'un département hôtelier de pouvoir connaître, je dirais, les grandes lignes de la gastronomie internationale, où l'on traversera, où l'on étudiera plutôt les spécificités culinaires à travers le monde. Ou par exemple avoir des notions en œnologie, hein. Comme je viens de le dire, on ne deviendra pas sommelier à l'Institut Charles Péguy. En revanche, il est nécessaire d'avoir des bases de la connaissance viticole, de la fabrication, aux appellations contrôlées, aux cépages, et j'en passe. Donc, il est vrai que nous appelons cet axe pédagogique plutôt culture générale autour des métiers de bouche, parce que nous ne formons pas à l'opérationnel, mais il est important, évidemment, de pouvoir conseiller un client sur le choix de son vin et pouvoir l'accorder, effectivement, avec ce qu'il mangera au restaurant. Et pour en parler, je vous propose tout de suite d'accueillir Olivier Sermeuse, qui est chargé du cours de Food and Beverage, qui va pouvoir un petit peu nous détailler tout cela. Il est également directeur du Cercle Royal Gaulois. Bonjour Olivier. Bonjour Diane, bonjour Géraldine. Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation à cette session d'information. Olivier, une première question. Si les étudiants ne sont pas formés en tant que tels en matière de cuisine, comment pouvez-vous leur renseigner la gestion des stocks dans le cadre du cours de Food and Beverage, s'il vous plaît? C'est en fait assez simple, puisque la gestion des stocks en fait ne nécessite aucune connaissance culinaire au préalable, puisqu'il s'agit avant tout de gérer des matières premières avant leur emploi pour la création des plats. Je dirais que la difficulté va essentiellement reposer sur le fait qu'une partie de ces stocks sont à durée limitée. C'est habituellement le chef de cuisine qui, avec l'aide du responsable des achats, au départ, détermine les fournisseurs. Et une fois ces fournisseurs choisis, le chef de cuisine passera commande en fonction de ses recettes, et du nombre de convives attendus pour un banquet ou espérés pour un restaurant. Et ces commandes seront réceptionnées et distribuées par le gestionnaire des stocks une fois qu'ils arriveront dans l'entreprise. De plus, au XXIe siècle, le gestionnaire des stocks est considérablement aidé par des logiciels de gestion de stock, et c'est donc à la minute près ce qu'il a en stock et ce qu'il doit commander afin qu'il ait ce que nous appelons un pare-stock ou un stock minimum. Merci Olivier. Et alors ce matin, on a répété à de nombreuses reprises que nos étudiants sont plutôt destinés à devenir des managers hôteliers plutôt qu'à des cuisiniers, à des maîtres de salle, des barman ou même des sommeliers. Mais là, c'est plutôt la bonne fourchette qui parle et non pas l'animatrice. Mais dites-moi, je le suppose que vos étudiants aiment malgré tout les bonnes choses, n'est-ce pas ? Effectivement, en tout cas, je l'espère pour la majorité d'entre eux, parce que pour faire ces métiers, il faut aimer bien manger, bien boire, et attention, je parle ici de qualité et non pas de quantité, aimer le contact avec les clients et prendre plaisir à s'occuper d'eux. Et comment mieux servir un client, si ce n'est en l'aidant à choisir, par exemple, le bon plat, le bon vin qui va avec le bon plat, le guider dans ses choix ou encore aplanir ses doutes. Quel vin choisir, par exemple, pour aller avec un homard ou simplement avec un foie gras? Ce sera du vin blanc, mais pas du tout les mêmes. Pour cela, il faut donc connaître les produits de sa carte et avoir la chance de goûter les plats préparés par le chef, parce que seule la connaissance permet réellement d'aimer les choses, même d'aimer quelqu'un. Mais tout ça, ça s'apprend. Merci Olivier, vous m'avez donné l'eau à la bouche, mais trêve de plaisanterie. Passons maintenant au dernier axe pédagogique de cette session. Je vous remercie beaucoup. Au revoir Olivier. Au revoir Olivier, merci. Géraldine, donc le dernier axe pédagogique de cette session est le perfectionnement des langues étrangères. Donc les langues sont déjà enseignées dès la première année. En deuxième année, vous appelez cet axe-là perfectionnement. J'imagine donc que les bases ont été connues en première année et qu'il s'agit maintenant de les mettre en pratique réellement. En effet, Diane, donc nous estimons que les bases grammaticales ont été revues et bien étudiées en première année. Donc en deuxième, c'est vraiment la pratique de l'oral de manière intensive qui sera proposée.
proposer à nos étudiants à travers des jeux de rôle, à travers des simulations d'entretien d'embauche, des présentations didactiques aussi et des débats d'actualité. Donc les cours se donnent toujours en petits groupes et toujours par niveau et en plus par section. Cela veut dire aussi, cela implique que les étudiants sont amenés à connaître le vocabulaire spécifique au métier de l'hôtellerie, de sorte à pouvoir s'exprimer avec le bon vocabulaire, correctement, efficacement, que ce soit en anglais ou en néerlandais. Merci Géraldine. Donc nous avons maintenant parcouru tous les axes pédagogiques de la deuxième en hôtel management. Pouvez-vous me dire en pratique maintenant comment tout cela s'organise ? Alors, en pratique, la deuxième est beaucoup plus pratique, justement. La théorie est au service de cette pratique. Les étudiants seront invités vraiment à exploiter toutes les notions qu'ils auront intégrées, les concepts de chaque matière. D'ailleurs, il y a un cours dont nous n'avons pas parlé, c'est le cours d'hôtel management, qui est lui un cours transversal qui fait appel à toutes les matières pour optimiser la gestion journalière dans la globalité d'un hôtel. Au même titre, nous avons l'ultime épreuve technique en fin de deuxième année, qui est un exercice grandeur nature, une mise en situation pour nos étudiants qui sont amenés à répondre à un appel d'offres, fictif ou réel, ça dépend d'une année à l'autre. Et de la conception à la réalisation du projet en passant par la budgétisation, les aspects pratiques et techniques aussi, ils devront donc défendre leur projet devant un jury de professionnels. Donc c'est vraiment une étape cruciale en fin de deuxième année. Ça leur permet de reprendre l'ensemble de leurs compétences lors d'un exercice, vraiment, quand je dis grandeur nature, c'est un exercice qui parfois fait peur à nos étudiants, mais très très enrichissant. Merci Géraldine. Et alors dans cette deuxième, donc on entend bien qu'on parle beaucoup de travaux pratiques, mais concrètement, est-ce que vos étudiants vont sur le terrain ? Alors oui, effectivement, Diane, en deuxième année, ils vont sur le terrain, ils sortent des murs de l'école, ils vont visiter de nombreux hôtels, des hôtels d'aéroport, des hôtels business, des hôtels de loisirs, des hôtels golf, des hôtels plutôt bien-être. Donc voilà, les étudiants en général sont très friands de pouvoir sortir un petit peu à l'extérieur des murs de l'école. Et puis nous les emmenons également chez des fournisseurs, dans une blanchisserie, au marché matinal aussi. Ce jour-là, il faut se lever tôt, mais également chez les brasseurs où ils vont rencontrer des personnes qui équipent d'un point de vue mobilier un hôtel. Donc il y a vraiment toutes ces rencontres et ces visites qui nourrissent le programme de deuxième année, qui viennent appuyer justement toute la théorie du management hôtelier. Et puis, on leur propose également de rencontrer d'autres professionnels que leur chargé de cours lors de workshops ou d'activités B2B, notamment avec Horeca Expo, à laquelle les étudiants sont invités chaque année à parcourir les allées de ce salon qui regroupe de nombreux professionnels du secteur hôtelier. Et enfin, et non des moindres, nous proposons toutes les semaines, de manière donc hebdomadaire, à nos étudiants de la section hôtellerie de pouvoir pratiquer les métiers de l'hôtellerie grâce à un hôtel d'application qui est le Martins Agora City Resort, dont nous avons déjà évoqué tout à l'heure le fonctionnement avec Madame Candan. Toutes les semaines, les étudiants prennent part à un département, qu'il soit commercial, qu'il soit dans la restauration, qu'il soit au front office ou housekeeping. Donc c'est vraiment une première pour eux et la possibilité de déjà acquérir un petit peu d'expérience pour peut-être pouvoir mieux choisir son stage aussi en troisième année. C'est vraiment une opportunité unique et j'en profite d'ailleurs pour remercier Monsieur Didion, le directeur général de l'hôtel, ainsi que ses équipes qui encadrent et accompagnent nos étudiants toutes les semaines. Merci à eux. Merci à vous, Géraldine, pour toutes ces explications. Et pour illustrer vos propos, je vous propose une courte vidéo qui vous exprimera bien les grands moments forts d'une année en hôtel management. Vidéo, s'il vous plaît.
Géraldine, nous allons passer tout de suite après à la séance de questions-réponses. Mais pouvez-vous, avant ça, nous rappeler quels sont les grands axes, les grands thèmes de la troisième année en hôtel management, s'il vous plaît ? Oui, Diane. Alors, la troisième année, c'est vraiment le grand saut. C'est l'immersion professionnelle, puisque nos étudiants sont amenés à participer à un stage de 6 mois en entreprise. Alors, si nous pouvons donner un coup de main à tous nos étudiants pour trouver leur stage, la démarche doit d'abord venir de l'étudiant lui-même. Je précise également qu'il est possible de faire son stage en Belgique, mais le but, c'est vraiment de former nos étudiants à l'international également. Et donc, nous encourageons tous nos étudiants à faire leur stage à l'étranger, de sorte à pouvoir coupler également leur stage au perfectionnement de leurs langues étrangères et notamment à celle de l'anglais, langue véhiculaire du secteur hôtelier. Alors, pendant ce stage, on observe différentes phases d'évolution de nos étudiants, puisque dans un premier temps, ils s'intègrent, ils observent et puis ils produisent. Et en fin de stage, ils se voient confier de plus en plus de responsabilités. C'est vraiment un tremplin professionnel unique et également une expérience sur son CV à indiquer, bien sûr. Donc, On remarque vraiment qu'un étudiant, je dirais au début de son stage, n'est pas le même en fin de stage. C'est un accélérateur de maturité incroyable. L'étudiant en apprend beaucoup sur lui-même, mais évidemment sur le secteur en lui-même, et se professionnalise tout au long de ce stage. Et nous invitons d'ailleurs tous nos étudiants à retracer leur parcours au sein de l'Institut Charles Péguy depuis le premier jour de leur inscription jusqu'à la fin de leur stage à travers une épreuve certificative que nous appelons le grand oral. Et parallèlement à cela, ils doivent également rédiger un mémoire sur une thématique ou une problématique de leur choix, pour autant qu'elle n'ait pas été développée par le passé. Et je dirais la petite cerise sur le gâteau, pour terminer l'année en beauté, nous leur proposons également des modules prêts à l'emploi, vraiment pour leur donner les dernières clés afin de pouvoir arriver dans la vie active, armés, avec toutes les armes dont ils auront besoin. Et donc, à ce titre, nous leur proposons des ateliers, des conférences, des rencontres également. Donc, ça va de la gestion du stress à la gestion de conflits, mais aussi à des thématiques un petit peu plus larges comme la durabilité ou l'accueil du handicap dans les secteurs de l'hôtellerie. Et puis des rencontres, comme je le disais, avec d'anciens étudiants diplômés qui ont un parcours professionnel bien établi, mais aussi, je dirais, avec des étudiants qui ont participé à des incubateurs, hein, qui sont aujourd'hui entrepreneurs et qui ont créé leur propre structure hôtelière. Sans oublier que nous leur proposons de pouvoir rencontrer un membre d'un secrétariat social, l'UCM, voilà, comme ça il est cité, pour aider les étudiants à passer du passage de la vie d'étudiant à celle de travailleurs, de jeunes travailleurs. Eh bien, Géraldine, nous l'aurons compris, il s'agit donc d'un programme vraiment, vraiment complet de la première à la troisième année. Avant de nous quitter, je vous propose maintenant de nous arrêter sur les questions posées par les internautes tout au long de ce live, mais juste un petit jingle le temps que la régie nous remonte les questions. On se retrouve tout de suite. Alors, une question de Ali de Bruxelles. Si je fais des études en hôtel management, cela veut dire que je serai manager dès ma sortie des cours, mon diplôme en main ? Alors, Ali, bonjour. Merci de nous avoir suivis cet après-midi. Effectivement, donc, je ne dirais pas que tu seras manager tout de suite. Comme dans tout autre métier, il faut pouvoir grimper les échelons, ne fût-ce que pour bien connaître et bien maîtriser tous les tenants et les aboutissants du secteur, mais peut-être plus précisément d'un département hôtelier. Mais en revanche, la formation en management que nous proposons va te permettre d'accélérer, en tout cas, le fait de gravir ces échelons et la possibilité d'obtenir des postes à responsabilité beaucoup plus rapidement. Alors, nous avons une question de Nicolas de Leuven. Je souhaite vivre et travailler à l'étranger. Est-ce que c'est possible en hôtellerie ?
Bonjour Nicolas. Alors, effectivement, l'hôtellerie, comme je le disais tout à l'heure, elle s'opère dans le monde entier, dans tout type de structure. Et donc, elle peut même faire l'objet de nombreux déplacements. Hein. Si l'on travaille dans une grande chaîne hôtelière, il est possible de voyager à travers le monde entier en gardant toujours le même employeur. Mais effectivement, de toute façon, l'hôtellerie est un métier où on bouge, où on est relativement actif, hein, et où on a l'opportunité effectivement de pouvoir travailler dans des cadres qui sont au-delà de mes espérances et certainement des tiennes également. Alors nous avons maintenant une troisième question de Christophe de Perouet qui nous dit « Je voudrais ouvrir une chambre d'hôte, dois-je suivre une formation pour cela ?» Alors, nous te donnons toutes les clés pour pouvoir ouvrir ta propre structure hôtelière, qu'il s'agisse d'une chambre d'hôte ou d'un petit hôtel indépendant ou même d'un grand hôtel. Hein. Faut certainement pas freiner les ambitions de qui que ce soit. Je t'encourage évidemment à le faire. Je t'encourage à suivre notre formation. Je vais quand même préciser quelque chose d'important. Dans la mesure où nous sommes une école libre, pour avoir ton diplôme de gestion en tant que tel, pour disposer d'un numéro de TVA, il faudra encore présenter un examen à la communauté française. Mais en pratique, je veux dire, les cours que nous dispensons te donnent vraiment toutes les clés pour réussir cet examen sans aucun problème. Et puis, je rajouterais qu'à travers les différents travaux pratiques que nous proposons à tous nos étudiants en deuxième année, il y a notamment dans le cours de gestion et économie vraiment toute la création d'une structure hôtelière. Donc voilà, c'est un cours, si tu suis tes études à l'Institut Charles Péguy, je te propose de garder bien bien ce cours bien au chaud chez toi pour pouvoir réaliser ton rêve. Merci Géraldine, je n'ai plus de questions pour le moment. Voilà donc la session de cet après-midi concernant le programme en hôtel management qui touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention tout au long de cette présentation. Nous espérons qu'elle vous a plu. Nous vous invitons maintenant à prendre contact avec nous si vous souhaitez visiter nos locaux, nous poser des questions d'ordre plus personnel selon votre situation ou si vous souhaitez tout simplement prendre un rendez-vous d'inscription. Pour celles et ceux qui seraient également intéressés par l'événementiel, nous nous retrouvons encore tout à l'heure à 17h et tout cela bien entendu toujours ici sur le site de Meet Your Future. Avant cela, une petite vidéo pour se quitter. À tout à l'heure, au revoir. À tout à l'heure, au revoir. Je ne suis jamais aussi bien intégrée dans un groupe. Pourquoi ? Peut-être parce que l'école est familiale et que tout le monde voit s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas une énorme structure où on est simplement en numéro. Il y a pas beaucoup de formations qui peuvent te préparer après 3 ans à être dans le monde du travail et être active et être performante. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant à Champigny. Il n'y a pas de différence entre l'hôtellerie, le tourisme et l'event management. C'est une école qui favorise l'entraide entre chacun. Le premier jour de la première année, on commence à nouer des contacts qui vont nous servir pendant 10, 15, 20 ans. L'avantage, c'est que les profs qui sont professionnels dans le métier nous expliquent « si tu travailles sur le terrain, tu vas devoir faire ça, tu vas devoir faire ça, tu dois devoir faire ça ». Aux jeunes qui viennent en orientation professionnelle chez moi, je leur recommande l'école, mais aux enfants de nos amis, je recommande l'école aussi. Quand je vois les étoiles dans les yeux de notre fille, voilà, je ne peux que te recommander l'école très très chaudement.
Charles Péguy, je ne vous remercierai jamais assez. Merci de m'avoir fait vivre toutes ces aventures et à très bientôt.